Le taux d'inclusion financière au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA est passé de 55,5% en 2018 à 60,1% en 2019. C'est ce qu'a annoncé la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à travers son rapport 2019 sur l'inclusion financière dans la région. Il s'agit là d'une hausse de 4,5 points de pourcentage par rapport à l'année 2018. D'après le rapport de la BCEAO, cette situation s'explique par un renforcement de la contribution de la monnaie électronique à l'utilisation des services financiers dans la région. Le taux d'utilisation des services de monnaie électronique a ainsi grimpé de 5,4% pour se situer à 39,6% en 2019. C'est désormais la Côte d'Ivoire qui affiche le taux d'inclusion financière le plus élevé de la sous-région, soit 77,9%. Elle dépasse ainsi le Bénin, leader en 2018, qui est suivi du Togo, du Burkina Faso et du Sénégal. Le Niger, quant à lui, affiche un taux d'inclusion financière de 17,5%, l'un des plus faibles de la sous-région, malgré une progression par rapport à 2018. En matière de bancarisation, c'est le Togo qui a affiché les meilleures performances de l'Union en 2019 comme en 2018. Le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Soudan du Sud et le Burundi, pays membres de la Communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, ont convenu le 11 novembre dernier de développer une stratégie commune pour la taxation de l'économie numérique dans la sous-région. C'était lors de la 48e réunion de leurs autorités fiscales qui espèrent ainsi augmenter les revenus issus du secteur des technologies de l'information et de la communication. D'après le communiqué final publié au terme de cette 48e réunion générale des commissaires des autorités fiscales de l'Afrique de l'Est, le développement de cette stratégie commune vise notamment à traiter la fiscalité de l'économie numérique en abordant les problèmes liés au cadre juridique en termes de définition, d'identification des acteurs et de mécanismes juridiques. À travers ce front uni que veulent présenter les membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, l'objectif est de faire pression sur les géants mondiaux de la technologie qui enregistrent des profits dans leurs différents marchés. Obligés de composer avec tous, ils n'auront pas l'opportunité de tirer parti des faiblesses et autres zones grises des différents systèmes fiscaux. 120 000 emplois dans les mines et les centrales électriques en Afrique du Sud sont menacés par la transition du secteur énergétique vers le renouvelable. Il s'agit d'une alerte du cabinet de consultation Trade and Industrial Policy Strategy qui affirme que l'abandon du charbon au profit de sources renouvelables d'énergie pourrait mettre en danger l'activité économique de 4 municipalités qui abritent au total 2,3 millions de personnes. D'après le cabinet, ces municipalités sont trop dépendantes des activités de la chaîne de valeur du charbon et la suspension de cette dernière laissera un vide important. Il s'agit là d'une préoccupation clé pour l'Afrique du Sud en raison de son niveau élevé de chômage, d'inégalité et de pauvreté. L'Afrique du Sud produit plus de 90% de son électricité grâce au charbon. Certaines des centrales utilisées par le pays fonctionnent depuis plusieurs décennies, mais depuis quelques mois pèse une forte pression pour qu'elles soient remplacées par des centrales d'énergie renouvelable afin de réduire les émissions du pays. En raison de l'impact que cette transition pourrait avoir sur les travailleurs, de nombreuses voix s'élèvent pour mettre en exergue la nécessité d'une transition énergétique juste qui offre des opportunités économiques aux communautés affectée par l'abandon du charbon. La Banque mondiale a approuvé un prêt supplémentaire de 130 millions de dollars pour financer le projet de préparation et de réponse aux urgences liées à la COVID-19 au Ghana. Le financement, qui sera décaissé à travers l'Association internationale de développement, va renforcer les efforts du gouvernement ghanéen dans la mise en œuvre de sa stratégie visant à prévenir et contenir le virus.
Il devrait également permettre de soutenir le plan de relance des activités socio-économiques du pays, mais aussi d'accroître le soutien aux personnes handicapées et aux autres groupes vulnérables, tels que les victimes de violences basées sur le genre, qui ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie. Dans un contexte où la course à un traitement s'accélère à travers le monde, le gouvernement ghanéen souhaite préparer le terrain pour le déploiement d'un futur vaccin sur son territoire. Dans cette perspective, cette aide de la Banque mondiale financera des campagnes visant à faire comprendre aux populations l'utilité d'un vaccin contre la pandémie, en dehors des campagnes de communication et de sensibilisation à l'échelle nationale afin de réduire les risques d'infection. La Russie a ravi en août dernier la place de deuxième importateur de thé kényan au détriment de l'Égypte. Selon les données du directoire kényan du thé, Moscou a acheté durant cette période 2300 tonnes de thé, soit 40% de plus que l'année dernière à la même période. Pendant ce temps, le Kenya n'a absorbé que 1400 tonnes de la feuille, soit 8600 tonnes de moins qu'un an plus tôt. Cette contre-performance a fait glisser le pays au cinquième rang dans la liste des principaux marchés pour le thé kényan. Ce changement est notamment lié aux efforts de promotion engagés par les autorités kényanes sur le marché russe et à la baisse drastique des volumes achetés par l'Égypte. Cet intérêt kényan pour Moscou s'explique par le fait que la Russie représente le cinquième consommateur mondial de thé noir, dont le Kenya est le premier exportateur mondial. Les exportations de thé du Kenya ont atteint 322 000 tonnes sur les 8 premiers mois de l'année 2020, contre 337 000 tonnes un an plus tôt. Soit une baisse de 14 000 tonnes due au ralentissement de la demande liée au coronavirus. Le Rwanda a raté ses objectifs d'exportation de café durant la campagne 2019-2020. Selon les données du Conseil national des exportations agricoles NAEB, les exportations de café ont en effet généré 60,4 millions de dollars en 2019-2020, soit 11% de moins que les 68 millions de dollars enregistrés un an plus tôt. Une véritable contre-performance pour le pays qui avait envisagé d'engranger 80 millions de dollars au terme de la dite saison. D'après le Conseil national des exportations agricoles, ce bilan négatif de la filière est principalement lié aux conséquences du coronavirus sur le marché mondial du café. Avec le ralentissement de la demande mondiale de fèves, le Rwanda a dû se résoudre à placer environ 19 700 tonnes de café à l'export en 2019-2020 sur un stock de 26 000 tonnes prévu. Sur certains débouchés importants comme la Suisse et le Royaume-Uni, les acheteurs ont montré moins d'enthousiasme pour le café rwandais en raison de la baisse de la consommation extérieure liée à la fermeture des restaurants. Le café, faut-il le rappeler, fait partie avec le thé des principales cultures de rente du Rwanda. Le pays envisage d'expédier 31 000 tonnes de café pour des recettes de 95 millions de dollars d'ici 2024. Le secteur agricole sénégalais devrait bénéficier d'un budget de 171 milliards de francs CFA en 2021, soit une hausse de 12,5% par rapport à l'année précédente. Cette enveloppe en hausse devrait fondamentalement permettre de consolider les performances du secteur agricole afin qu'il joue pleinement son rôle dans la reprise de l'économie attendue par les autorités d'ici le prochain semestre. D'après un communiqué du ministère sénégalais de l'Agriculture et de l'Équipement rural, ce montant sera réparti sur 4 axes au total. Il s'agit notamment du volet production, diversification et valorisation des produits agricoles qui bénéficiera de près de 108 milliards de francs CFA, soit 63% du total de la somme allouée. À cela s'ajoute la sécurisation de la base productive et le développement des infrastructures rurales qui devraient bénéficier d'un financement de 52,3 milliards de francs CFA, soit environ 30% du budget total. Les autorités sénégalaises prévoient également de consacrer soit 11,3 milliards de francs CFA pour l'accompagnement de la production, de la recherche, de la formation et de l'appui conseil. Il faut dire que l'agriculture fournit au Sénégal des moyens de subsistance à plus de 60% de la population.
La phase 1 du train express régional au Sénégal a connu une progression significative en termes de réalisation. La direction générale de la Société nationale en charge de l'infrastructure estime à 97% le taux de réalisation actuel. À ce jour, les deux voies ferrées aller-retour Dakar-Diam-Niadio sont terminées. D'une capacité de transport de 115 000 voyageurs par jour, le train express régional doit jouer un rôle crucial dans la décongestion de Dakar, une ville en expansion d'environ 3 millions d'habitants. La capitale abrite 25% de la population totale du pays et 50% de sa population urbaine. La première phase du projet est financée par la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, l'Agence française de développement, le Trésor français et l'État du Sénégal pour un montant total d'environ 1 milliard d'euros. Projet phare du gouvernement du président Macky Sall, cette première section de 36 km relie le centre de Dakar à la ville nouvelle de Diam-Niadio. Selon le gouvernement sénégalais, sa mise en service pourrait intervenir d'ici 2021. Un second tronçon de 18 km devrait relier la ville de Diam-Niadio à l'aéroport international Blaise Diagne. Les recettes publiques générées par le secteur minier devraient augmenter de 33% d'ici 2023-2024 en Tanzanie. C'est du moins la nouvelle vision du gouvernement tanzanien. Les recettes passeraient ainsi d'environ 227 millions de dollars prévus pour l'exercice fiscal 2020 à plus de 302 millions de dollars en 2023-2024. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement entend accorder au cours des prochains mois de nouveaux permis d'exploitation aux compagnies actives sur les gisements d'or et de terres rares du pays. Il s'agit notamment d'une licence minière spéciale pour l'exploitation des terres rares au projet Ngwala à la société PRNG Minerals, une filiale de l'Australien Peak Resources. Une autre société australienne, en l'occurrence OrCorp, devrait également obtenir un permis d'extraction pour les gisements d'or du projet Nyanzaga. À ces nouvelles attributions de licence s'ajoutent les retombées financières importantes attendues de l'accord avec le géant minier Barrick, mais aussi des mines d'or en production dans le pays ou qui atteindront très prochainement cette étape. Il faut dire que la Tanzanie héberge aussi des gisements de nickel, de graphite et de charbon qui attirent les investisseurs.